Et salut à tous les amis, c'est Morcite. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 19, et oui les amis, déjà l'épisode 19 de notre guide pour bien débuter sur Ark. Et je suis désolé bien évidemment pour la semaine dernière, voilà, j'avais pas d'épisode en cours et en ce moment je suis pas mal occupé. Donc il est difficile pour moi d'être assidu dans mon devoir, voilà. Voilà. Et elle nous chie à la gueule quoi. Bon alors les amis, aujourd'hui, on va aller chercher de l'oil, du pétrole, parce que le pétrole, ça va nous servir à fabriquer, attendez, bougez pas, ce truc-là, le fabricateur qui nous permettra en fait, après, de faire, les armes beaucoup plus basses, là, alors attendez, bougez pas, bah, le fusil d'assaut, le fusil à pompe et tout ça. Et il y a eu, enfin ils ont sorti des nouveaux trucs, j'ai l'impression, là, genre ils ont sorti pas mal de trucs, là, récemment. Et je vais me servir de ça pour rebondir là-dessus, parce que, les amis, la dernière fois, rappelez-vous, on avait tame un dent de sabre. Et je sais pas ce qui s'est passé, il y a dû y avoir un bug ou quelque chose. Le dent de sabre, en fait, il y a une mise à jour et peut-être que ça a fait bugger, enfin bugger non, mais peut-être que ça a glitché ou j'en sais rien. Et en fait, mon dent de sabre, il s'est retrouvé ici et moi, je me suis retrouvé pareil, au même endroit. Donc du coup, j'ai été le ramasser là-bas, mais comme il est là, on va s'en servir. Et pour s'en servir, les amis, il va falloir qu'on lui crafte une selle. Donc, vous allez crier encore, c'est pas grave. J'ai été miné parce que c'était très long. J'ai été dans la montagne, en fait, qui est là-bas, là. Derrière, et un petit peu une autre là-bas, comme ça m'a permis de voir à peu près le décor. Et un de ces quatre, on ira là-bas parce que c'est beau. C'est très beau. Et donc, du coup, les amis, pour faire ce truc-là, pour faire la selle, on va y arriver. Hop, saddle. Pour faire la selle, il faut énormément de fibres. Et les fibres, au lieu d'aller les ramasser à la main, ils viennent de sortir un truc énorme. Ah oui, au passage, j'ai pris quelques niveaux. J'en ai pris 3. C'est pas énorme. Mais voilà, je me suis amélioré le poids, je crois. Un petit peu de poids et je sais plus. Peut-être les melee damage. Je sais plus du tout. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai soif. Hop là, voilà. Alors, ils viennent de sortir un truc, les amis. Bougez pas. Attention, attention. Ce truc-là, les amis, on va se le crafter tout de suite. Hop, alors je pense qu'il est dans Weapon, se mêler. Voilà, il est ici. Craft. En fait, ce truc-là, ça va nous permettre en fait de ramasser. Vous savez, quand on se promène et qu'on appuie sur E, eh bien ça nous... comment dire ? Ça ramasse certains, enfin ça ramasse les fibres, les baies et tout ça. Mais avec ce truc-là, en fait, le taux d'amassage de fibres quand on utilise ce truc-là, eh ben il est décuplé. Alors je sais pas trop comment on l'utilise. Est-ce que ça s'utilise ? Non, ça ne s'utilise pas comme ça. Attendez, le fail ! C'est le fail ! Hop là, ça bug un petit peu. Le fail ? Non, c'est pas le fail quand même. Attendez les amis. Bah quand même. Ah non, attendez, je crois que je me suis planté. Alors là, si c'est ça les amis, c'est nul à chier, attendez. Hop, on va se mettre là. Oh ! Non, c'est pas ça du tout. Ellipse ! A tout de suite. Et re ! Les amis. Bon, et ben du coup, je crois que c'est le fail de l'amour. Petit aparté, voilà les amis. Au moment où j'ai tourné l'épisode, je m'étais mal renseigné. Et en fait, ce truc de druide là, en fait, il permet de ramasser plus de fibres sur les plantes à graines. En gros, ça veut dire, qui dit plantes à graines, dit toutes les plantes où on ramasse des narcoberries et tout ça. Voilà, bon allez, bonne vidéo. Graine un petit peu spéciale, et oui les amis, non, je ne fais pas l'apologie du cannabis, mais j'ai installé un
un petit mode qui pourrait peut-être être sympa, j'en sais rien. Hein. Vous savez, de toute façon, comme c'est un jeu qui est en alpha, ouais, c'est de l'alpha ou de la bêta, j'en sais rien. Enfin, c'est un early access. Comme il est en early access, c'est un peu buggé encore des fois. Donc les modes, c'est vraiment les premiers modes. Mais j'ai vu qu'il y avait ce mode-là. Alors je me suis dit, attendez, s'il y a des champs de cannabis qui poussent un peu partout, ça pourra être sympa. Alors attendez, on va vérifier combien on en a. 83, je pense qu'il nous en faut encore un tout petit peu. Hop. On va se redéplacer par ici. Hop. Bon allez, je pense qu'on va être bien là pour le coup. Allons-y gaiement. Et comme vous pouvez le voir ici, c'est la plantation magique. Mais ça, c'est une surprise et c'est pour plus tard. Hop là. Désolé pour le mal de crâne. Moi, ce jeu me donne mal au crâne plus quand j'y joue. Bref, ça c'est ma vie. Steamberry. Hop, les graines. On les met ici. Des graines de cannabis et des graines de citron. Et des amarbéricides. Hop, voyons voir si on a ce qu'il faut pour faire cette putain de selle. Saddle. Non ! Ah, maintenant, il en faut l'amour. Attendez, j'en ai 64, il en faut 155. On n'en a pas ailleurs. Est-ce qu'on en a ailleurs ? Peut-être. Hop. Voilà. Alors. Saddle. Et c'est parti. Oh, on peut faire une selle de Carnot. Alors là, c'est génial. 320 et 290. On va d'abord faire la sabre machin. Et on va faire la selle de Carnot. Hein, ça se tente, hein. Ça se tente, mais d'abord, on va se refaire des armes aussi. Et après, on va aller tame un animal pour aller dans l'eau, voilà. Un animal pour aller dans l'eau. En l'occurrence, on va... hop, on va tame... Eh ben, vous verrez. Hein, vous verrez ce qu'on va tame, peut-être un dauphin, peut-être un mégalodon, je n'en sais rien, on va bien voir. Là, on n'en a pas besoin, on va se refaire des petites armes rapidement. On va se refaire un long neck, parce que le long neck, c'est énorme. Et en même temps, on va se crafter une lunette, parce que la lunette, c'est génial, les amis, ça va nous permettre de faire des shots assez loin. Et ça, c'est cool. Hop. La lunette qui va bien. Alors normalement je pense qu'il y a juste à la glisser sur le bordel. Hein, si je me trompe pas, attendez. Voilà. Il y a juste à vérifier. Ça c'est nickel, ça fonctionne. Attention. On va récupérer les petites balles qui sont là. On va faire une petite vérification rapidement. Oh, le temps est très le orange. Et voilà les amis, on a une petite lunette. Voyons voir. Énorme. Énorme. Là, on va pouvoir se faire en mode Call of et tout, ça va être sympa. Alors, ce truc-là, du coup, il nous sert à rien parce que je sais pas comment il fonctionne pour le moment. Hop. Alors. Hop, donc on a dit qu'on a la selle. On a l'arc qui est ici avec les flèches tranquillisantes pour le moment. Il va nous falloir de la bouffe et des narcotiques. Pour tame notre poisson qui nous permettra par la suite d'aller chercher de l'oil en fait. Attendez, on vérifie que les selles on les a bien débloquées. Parce que si on débloque des selles et qu'on peut pas aller qu'on peut pas les utiliser sur le poisson qu'on aura tame, c'est un peu con quoi, clairement. Alors, voyons voir. Bon, bah écoutez les amis, petite ellipse, je prépare tout et on se retrouve juste après. A tout de suite. Et re les amis. Bon, alors. Hop, on augmente le poids. Voilà, le poids, c'est bon. Allez, Zou, vous n'avez pas vu la selle que j'ai débloquée, bien évidemment. Vous n'avez pas été regardé ou ne retournez pas en arrière pour le moment. Les amis, on lui met la selle sur le dos, à lui, hop, il a pris un level, donc ça c'est énorme. Hop, on va lui augmenter les melee damage. Et voilà, allez, Zou, on va pas le prendre parce que pour tame notre animal, faut pas qu'il soit là, sinon il va de l'aggro direct.
Et là, on va aller sur la plage qu'il y a juste là-bas pour choper ce maudit poisson. Aller faire de la pêche à la ligne un petit peu. En espérant qu'on trouve ce qu'on veut. Tiens, on va tester vite fait la lunette. Attention, les amis. Oh là 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 là. Attention, concentration. Je pense qu'on peut retenir son souffle, mais je sais pas comment faire. Nul à chier. Nul à chier, les amis. On va s'accroupir. Peut-être que ça va moins bouger. Boum! Oh merde! Oh non! Oh putain, le con! Seth, je suis désolé. Eh hey, bro! Oh putain, ils sont buggés, les cons! Putain, mais vous êtes trop cons, les gars! Eh, hey, viens par là! You follow me? Viens par ici, bro! Ok, d'accord, t'es... Allez, viens! Ok, ils sont complètement buggés, mais c'est bon! Putain, mais les voilà, ceux que j'avais chopés, bordel! Bon, c'est pas grave. Allez, on va chercher un poisson. Va falloir qu'on l'attire par ici. Ça, ça va être une autre paire de manches, les amis. Alors! Petit poney! Faut qu'on aille un petit peu dans l'eau. On va faire attention à ce qu'il n'y ait pas de petits piranhas. Ah, je sais pas si on va en trouver là. C'est pas assez profond. Oh, quoique, vous savez, hein, on est à l'abri de rien. On va plutôt faire le tour de la falaise, là. À mon avis, on va peut-être trouver... on devrait trouver ce qu'on veut, normalement. Il met un coup au cul, lui. Ninja! Ok. Inefficace. Carbonémis. Nickel. Il y a lui, là, il est buggé. Mais là, il y a peut-être moyen qu'on trouve le poisson qu'on cherche, bordel. Voilà. Envole-toi. On devrait le trouver. Hein. Vous vous doutez bien de ce que je vais essayer de choper. Tiens, ça vous ferait de la bouffe. Allez, meurs. Nickel. On a besoin de bouffe. Oh là là. C'est pas le bon endroit. On va récupérer la bouffe qu'il y a sur lui. Non, on veut... Ah merde, putain, on a pris plus de haï qu'autre chose. Peut-être qu'ici... Putain, je suis vraiment en galère, je suis en train de chercher. Écoutez les amis, je fais juste une petite ellipse le temps que je le trouve. Et puis je vous dis à tout de suite. Bis. Oh putain de putain de putain de putain. Les amis, c'est la merde. C'est la merdasse. Parce que là, là, là en fait, on est... Ouais. On est dans la merde là. J'aurais pas dû venir ici. Parce que là, je me retrouve un petit peu keblo, en fait, avec des voisins pas très aimables, quoi. Attendez, il est où? Eh, mon ami. Eh, bre, tu veux être mon pote ou quoi? Est-ce que t'es endormi? Ah, yes, il est inconscient. Putain, bah ouais, mais il pouvait pas être inconscient ailleurs. Bon, écoutez, les amis. Ah, laisse-moi tranquille. Laissez-moi. Ah! Putain, non mais sérieux! Bon, écoutez les amis, ce que je fais, c'est que je le remplis de bouffe. En espérant, attendez, ouais, c'est bon, il me reste un petit peu de bouffe, il va falloir que j'aille en chercher. Et dès qu'il y a la fenêtre d'affichage du nom qui se met, je vous retrouve, les amis. À tout de suite. Et re, les amis, et oui, comme vous l'avez deviné, c'était bien un mégalodon. Ça fait un petit moment là déjà. Il a gangbang les deux ou trois derrière là, comme vous pouvez le voir. Bon allez, je compte sur vous cette fois-ci. Vous allez me lui donner un nom et je ferai un mix des noms que vous m'avez donné pour le renommer. Voilà, donc bien évidemment, je lui avais préparé sa selle. Elle est là. Wouh, j'ai eu un moment de bad là, je me suis dit putain. Et c'est bon, on est dedans. Enfin, on est dedans, on est pas dedans, on est sur lui. Et là, les amis, on va essayer d'aller chercher un petit peu... on va aller chercher du pétrole, en fait. Parce que le pétrole, il est sous l'eau. En surveillant bien notre barre de... La barre de d'oxygène, hein, bien sûr. Par contre, il va tellement vite. C'est impressionnant. C'est génial. Petite attaque furtive et tout. Boum ! Voilà. Et en fait, le but, ce serait qu'on trouve de l'oil pas trop loin de chez nous. Ouais, il y en a un autre là-bas, donc on va éviter d'aller trop le chatouiller. Même si je vous dirais, franchement, je pense qu'on a le level pour, mais...
Mais bon, j'ai pas envie d'aller les chatouiller. On va aller récupérer de la vie. Enfin, de l'oxygène, hein, surtout. Parce que l'oxygène, c'est le plus important. Eh ben, pourquoi tu nages plus? Ouais, il y en a quand même quelques-uns là-bas. On va essayer de descendre. Allez, c'est parti. On y va. On descend profondeur de la boue! Faut surtout pas qu'on reste bloqué, parce que si on est câblé ici, les amis, ça va être tendu. On va remonter. Non, il a plus d'énergie, on a plus de... Oh là 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 là, ça c'était obligé. Ça c'était obligé, les amis. Putain de sa mère. Sors, dépêche-toi, mon ami. Allez, on va le laisser récupérer un petit peu. On peut voir qu'il est blessé un petit peu là. Il a dû en prendre un petit coup dans la gueule tout à l'heure avec les deux autres. Moi, je leur ai pas mis grand-chose, mais... attendez, on va aller sur la plage. On va aller sur la plage. Toi, on te bouffe. Ah merde, d'accord, j'ai été un petit peu trop long à la détente. Voilà, comme ça va lui donner un petit peu de bouffe. On va reprendre un petit peu... voilà, on va attendre. Merde, ah si, on peut quand même manger. Alors ça, c'est cool, ça. Donc là, on va attendre un petit peu la bouffe. Ah! Qui es-tu? Je vais te défoncer! Voilà! C'est ça qui est bon, l'ami. Viens par ici. Allez, dépêche-toi. Hop! Tu arrêtes tes bêtises. Bon, les amis. Ah bah non, c'est bon. Il va être bien. Allez, on est reparti. Et zou! Allez, on descend tout au fond, tout au fond, tout au fond. Quand c'est au fond, c'est tellement bon. Pardon. Putain, là, on descend un peu loin, là. Hein. Oh oui. Il n'y a pas moyen de descendre moins loin et d'en trouver? Ah, je pense que si. Attendez, les amis. On va remonter. Je vous fais une petite ellipse. Et puis, dès que j'ai quelque chose, on se retrouve. Je sais, vous aimez pas les ellipses. Mais c'est pas grave! Wasabi, wasabi, wasabi! Les amis, bon, ça y est, putain, j'en ai enfin trouvé. Alors là, mais c'est le bordel. Donc, comme vous pouvez le voir, si jamais vous êtes en déj de bouffe. Ah! Putain, mais casse-toi! Dégage! Dégage, dégage, dégage! Protège-moi, Bobby! Ok, nickel, il l'a tué. Easy! Et ouais, bro! Bro! Ok, il est en train de bouffer son pote, c'est pas grave, on s'en fout. Vas-y, on va l'avoir! Yeah, bro! On va l'avoir! On va l'avoir! Attaque! Yeah! C'est ça, moi. Oh! Il y en a un autre, mais moi j'ai plus d'air! Time tourne autour, j'aime pas ça! Ah! Il est où mon pote là? Non, je suis en train de crever! Oh! Allez, attaque! Putain, non, mais je m'attendais pas à ça, mais quel enculé! Viens là, toi! Oh! Nickel! C'est ça, mon grand, je suis fier de toi! Ah, je suis très fier de toi! Oui, je suis très fier de toi pour. Voilà! Les amis, faut juste que je vous montre. Alors pour accéder, tiens, si vous êtes sur un animal, au lieu de descendre et de faire Access Inventory, vous appuyez sur la touche F. F, ça ouvre directement son inventaire. Et comme vous pouvez le voir, putain, mais ça ramasse, mais la vie, ce truc! Ça ramasse tout. Regardez la bouffe. Il n'y a même plus besoin d'aller à la chasse ou quoi. Il vient encore de prendre un level. On va lui mettre des mêlées de... stamina. Stamina parce qu'il est un peu juste avec ça. Ça, je sais pas ce que c'est. La bouffe, on va lui la laisser parce que nous, on s'en fout pour le moment. Mais... Ben voilà, va falloir qu'on aille chercher un petit peu de... Attendez, parce que là, je suis perdu du coup. Putain, on voit plus rien là-dedans. On va y arriver, on va en trouver, les amis. Le but de cette expédition, c'était de trouver de l'oil. Et il y en a ici, les amis, voilà. Je savais qu'il y en avait dans le coin, c'est pour ça que je m'étais mis ici.
Allez, hop, on va descendre, on va chercher, parce que c'est ça en fait le truc qu'on convoite. Allez, on mine, c'est parti. On récupère vraiment pas grand-chose. Voilà, 7 oil en... dans un truc, quoi. Non, mais vous vous rendez compte? 7 oil dans un truc. Allez. Alors les amis, ce que je veux vous dire, c'est que là, je vais farmer un petit peu. Je vais farmer un peu, je vais attendre que la nuit se passe et tout ça. Et puis, on se retrouve à la maison pour la fin de l'épisode avec ma petite collecte. Voilà les amis, à tout de suite. Et re, les amis! Bon, et ben du coup, voilà. Hop là, nickel. Je viens de rentrer de ma petite chasse, voilà. Enfin, la petite chasse, la pêche surtout. C'était long. Sérieusement, c'était long. Si seulement ils pouvaient augmenter un petit peu le taux de give. Enfin, pas de give, mais de. Quand on mine, voilà, que ça nous en donne pas mal. Parce que c'est vrai que. Oh putain, c'était long, sérieux. J'ai été jusque. Bah, en fait, clairement, j'ai fait le tour un petit peu. Là, j'ai longé la rive, mais jusque loin, sans déconner. Et du coup, tout ça pour. Enfin, au final, ça m'en a amené 55. Donc, bon, non, c'est pas non plus. C'est pas énorme, hein, 55. On va regarder vite fait. Là, je vais le ramener à la maison, lui. Hop. On va le ramener. Vas-y, Joseph, rentre là-dedans. Allez. Marche arrière. Hop là. Allez, tu restes ici et puis on n'en parle plus. Hop là, allez. Et à l'avenir, il faudra peut-être qu'on fasse un petit enclos comme ça aussi pour. Eh ben, j'ai pas de nom à lui donner, vous m'en trouverez un. Et on fera un mix, ou alors s'il y en a vraiment un qui me plaît, je le prendrai. Alors, voyons voir rapidement ici combien il en faut. Hop, on met ça ici. Alors, non, c'est pas là. Si, c'est là. Structure, crafting, fabricateur. Donc, c'est bon, on a assez d'huile, enfin de pétrole, pardon. Il me faudra juste du cementing paste et du cementing paste. Je crois qu'il m'en reste un tout petit peu ici. Et il faut du chitine et de la. Enfin, du chitine ou de la kératine et de la stone. Les amis, dans le prochain épisode, on voit le fabricator. En attendant, n'hésitez pas, comme d'habitude, j'espère que vous regardez l'épisode en entier, les amis. Allez me suivre sur Facebook. Mettez un pouce bleu ici. Un énorme pouce bleu. Un pouce bleu énorme, voilà. Et puis, les amis, on se retrouve dans le prochain épisode. Allez, bise!